Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la phrase de M. Olivier Véran qui était en déplacement quelque temps après le meurtre de Thomas pour dire « la France risque de basculer ». Ah, mais alors dites-moi, M. Véran, c'est la faute à qui? C'est la faute à nos politiques qui depuis, allez, on va dire 60 ans au moins, ont pensé à inviter, entre guillemets, des immigrants venir ici pour faire le travail que, soi-disant, les Français ne voulaient pas faire, de ces mêmes politiques qui ont construit des villes ou des bidonvilles avec des tours immenses, quasiment invivables. Donc tous ces gens-là l'ont fait en toute conscience et sans hésiter. C'est aussi la faute de cette politique pan-arabe qu'on a en France depuis plus de 60 ans, sans discontinuer, quelle que soit la couleur politique, hein, on a toujours eu cette politique pro-arabe. Eh bien, tout cela a donné, comme dirait l'autre, une cocotte minute, prête à exploser, et si elle explose, elle ne va pas exploser dans le bon sens. Ce sont nous, les Français, qui allons payer. Il faut comprendre cette situation. C'est que nous ne sommes plus chez nous en France. Hein? La France où il faisait bon vivre quand même, rappelons-nous, une France agréable, une France presque joyeuse, une France vraiment très recherchée, même pour le tourisme, puisque actuellement, jusqu'à maintenant, la France est quasiment le premier pays en destination touristique du monde. Eh bien, cette France-là, elle est en train de disparaître, ou elle a déjà disparu. Parce que ce qui se passe, c'est partout maintenant, partout. Et comme on a des gouvernements incapables de faire face à la situation, le résultat est terrifiant et il s'amplifie puisque c'est un encouragement à la violence, un encouragement pour les barbares, un encouragement pour cette religion qui est tout sauf d'amour. Donc, tant qu'on ne voudra pas prendre ce problème tel qu'il est, on va continuer dans la déconstruction que voulait M. Macron. Hein, on est en plein dedans. Il faut essayer de comprendre. Là, ce n'est plus une question d'être à gauche, à droite, de telle ou telle religion, de telle ou telle origine. C'est une question vitale pour tout le monde. Parce que, je vais vous donner un exemple concret, quand le Hamas a attaqué en Israël, ils ont tué de façon barbare n'importe qui, n'importe comment. D'ailleurs, ce qui n'a pas été dit dans nos médias, puisque ce sont les médias à la botte du pouvoir et à la botte de la gauche, c'est que la première attaque du Hamas en Israël était contre une réunion festive qui célébrait, tenez-vous bien, la paix et le bien-vivre avec les voisins de Gaza. Il faut le savoir qu'ils ont donc tué ces jeunes qui étaient pour eux. Ils ont également tué des gens qui étaient étrangers, que ça se voyait, hein, excusez-moi, genre thaïlandais ou autre. Et tout ce magma du terrorisme mondial est lié quand même à une seule, on va dire à une seule chose, c'est-à-dire à une religion. Hein. Faut arrêter avec cette histoire de soi-disant guerre civile. On n'aura pas de guerre civile. Hein. On est en train d'être attaqué, agressé, c'est autre chose. C'est parce qu'une guerre civile, c'est deux clans qui vont s'affronter. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, comme il y a eu par exemple aux États-Unis avec le Nord et le Sud. Là, ce n'est pas deux clans qui s'affrontent, c'est une religion qui conquérit, qui est en train de conquérir la France. Et d'autres pays, je vous rassure, s'il y a que ça pour vous rassurer, de savoir qu'on ne sera pas tout seul. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas du tout. Donc, on est dans un système politiquement dangereux, parce que nous avons des décideurs politiques qui ne sont pas à même de combattre ce terroriste, ces barbares, etc. Ils le nient. Donc vous comprenez que des gens qui nient quelque chose ne peuvent pas le combattre. C'est simple, il n'y a pas besoin de sortir polytechnique, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, des bacs plus 12, pour comprendre cela. Un enfant de 6 ans, il peut le comprendre. Et nous, actuellement, on est dans une situation dramatique, catastrophique, parce que ce qui ne touchait, on va dire, que certaines zones
hein, comme les fameuses banlieues là, à qui on a donné des milliards pour rien, hein, ou comme ce que fait actuellement Macron qui donne des milliards à l'étranger pour rien, et ben nous, actuellement, on voit que ça s'étend partout. Et avec leur formule qui consiste à prendre des migrants et à les mettre dans des petits villages ou des petites villes, ce sera une catastrophe nationale. On va vers une catastrophe nationale et ça sera fini. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Ça arrivait dans d'autres pays. Vous avez l'exemple du Liban, vous avez l'exemple de l'Irak, vous avez des exemples comme ça qui montrent comment ça s'est passé. Toujours pareil. C'est toujours la même chose. C'est une conquête. Ils attaquent, ils rentrent. Ils détruisent. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, il faut arrêter, là. Nous sommes arrivés à un moment où il faut arrêter. Voilà. Bon, je crois que j'en ai assez dit pour ce sujet. De toute façon, on pourra en parler encore. Mais on est mal. Hein. On est plus que mal. Je ne sais même pas quel qualificatif je peux trouver pour vous le dire. Mais sachez que cela ne peut plus s'améliorer sans avoir quelqu'un capable de prendre des mesures qui seraient peut-être même impopulaires, hein, qui seraient même dites cette fois de dictatoriales, etc. Mais on s'en fiche. Je crois qu'actuellement, il y a peut-être une personne capable de le faire qui est en parole déjà, qui le dit, qui explique tout ça et qui ressent tout ça. C'est Marion Maréchal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces mouvements politiques ne sont pas crédibles. Parce que c'est ça le fond du problème politique en France, c'est que nous n'avons pas une vraie opposition. Quand la gauche était dans l'opposition, elle attaquait tous les jours le pouvoir. Quand maintenant la droite est dans l'opposition, le pouvoir il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. On en est là. Bon, j'arrête parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour moi. Encore un grand merci à tous ceux qui font l'effort de diffuser mes vidéos, de s'abonner, il y en a de plus en plus, heureusement. Et de partager, il faut y aller, hein, parce qu'il faut que ça se sache. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, puisqu'on est en train de tout perdre.